Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour tester le deck ladder de Michou. Du coup, son petit deck Golem Cimetière. Forcément, il y a un cimetière dedans, donc on va se permettre de tester un petit peu le deck. Mais j'avoue que c'est assez innovant avec le combo Golem Cimetière. Ça a déjà été un petit peu méta il y a quelques temps maintenant. Ça commence un petit peu à dater. Bon, ça n'a jamais vraiment révolutionné, mais ça a été joué un petit peu. Mais on a vite abandonné l'idée parce que c'est un combo qui coûte quand même assez cher et qui est compliqué à mettre en place et qui est quand même pas mal situationnel. Parce que j'avoue que ça coûte assez cher et que si le mec arrive à défendre, t'es généralement pas bien derrière, tu vois. Donc c'est pas ouf. Il y a un seul joueur par contre dans le top monde qui joue pas le deck de Michou, mais qui joue également le combo Golem Cimetière. Donc c'est le joueur là que je vous présente, Gabs, qui est à l'heure actuelle 279e mondial avec le combo. C'est le deck vraiment qui joue tout le temps. Il a un record à 8161 cette saison et un record à 8K4 sur le compte avec ce deck. Hein. Vraiment, il joue que ce deck. Il est quand même assez monstrueux avec. Voilà, c'est pour dire que c'est possible d'avoir le combo Golem Cimetière, mais que c'est très très rare et c'est plus l'effet de surprise, tu vois. Bon, Gabs, lui, il n'y a plus d'effet de surprise, étant donné qu'on sait très bien quand tu tombes dessus à haut niveau qu'il va jouer ce deck-là. Mais voilà, au niveau de Michou, je crois il a 6K2 ou 6K3, Michou, je sais pas exactement. Mais son deck peut un peu plus surprendre. Donc voilà, le deck de Michou, lui, c'est Golem Cimetière avec Tombstone, les archers, les chauves-souris, le sorcier électrique, boule de feu et flèche. Donc c'est pas mal parce qu'on a des sorts pour accompagner tout ça. Mais en vrai, on est assez fragile. Hein, on est assez fragile en défense. Parce qu'on a les archers, les battes, mais voilà, ça reste fléchable, même zap pour les battes. Le sorcier électrique, bon, c'est pas trop mal, mais il s'est pris quelques nerfs dernièrement, donc forcément, il est un peu moins fort qu'avant. Et on a quand même la tombstone en défense, qui est un des meilleurs bâtiments, voire le meilleur bâtiment à l'heure actuelle du jeu. Donc en vrai, ça passe, mais je pense qu'à un moment donné, tu vois, le deck bloque un peu. Le deck bloque un peu parce que bah, ça reste un petit peu fragile, et on aurait préféré, tu vois, un deck golem avec vraiment plein de grosses troupes derrière, parce que généralement, le golem suffit à lui en lui-même, tu vas pouvoir les mettre un petit peu la pression à l'adversaire. Et généralement, c'est les troupes de derrière qui vont aller mettre des dégâts. Là, ça sera plus Golem qui va tanker le cimetière. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais on va voir que c'est possible et que c'est faisable. Donc, on va partir directement dans la première game. Un peu vous montrer moi comment en tout cas je jouerai le deck. Après, bon, j'ai pas non plus la science infuse et je ne sais pas exactement. Enfin, je connais pas tous les decks sur le bout des doigts. Mais on a un petit peu d'expérience avec le cimetière. Donc, on va voir un petit peu comment ça se comporte avec le Golem. J'avoue que c'est pas un combo, moi en tout cas, que j'ai beaucoup tryhard, donc ça va être intéressant de voir ça. Allez, justement, on va partir, hop, archer fond de map, on split, on se prend pas la tête, on part pas golem directement. Vous voyez, là en fait, j'ai déjà une main de merde, et ça me pose problème. Parce que là, je suis obligé de faire ça, et ça, c'est chiant. Tu vois, je peux peut-être attendre que l'adversaire joue, etc., mais ça reste dangereux. Allez, yes, en tout cas, c'était un plaisir hein, de jouer avec vous, les potes. Ou en vrai, je peux peut-être rajouter les flèches, hein. Ou alors j'assume les dégâts, je pars directement. Parce qu'en fait j'ai peur que le golem tourne. Le golem tourne pas. Let's go! Ok mon push. On va laisser l'archer se connecter, c'est pas dramatique. On va essayer de faire en sorte qu'il perde une tour. Voilà, et là c'est à ce moment-là où le cimetière peut prendre vraiment toute. Ouais mais regardez, c'est tellement. J'allais dire il peut prendre toute sa puissance, mais pas du tout en fait. Parce que c'était défendu facilement. Bon après il y a quand même un golem à défendre. Il y a quand même un golem à défendre et ce golem il est pas en train de le défendre le frérot là. Il y a sa reine certes, mais ça ne suffit pas. Du coup, la tour qui va tomber, ça fait plaisir. On un push, bah voilà comme quoi. Non mais j'essaye de dire en mode, ouais, c'est pas facile à jouer. J'ai mis un golem fond de map, j'ai mis un cimetière, j'ai pris une tour. Bon, effectivement, si ça se passe comme ça, c'est plutôt plaisant. Parce que là, on va pouvoir repartir golem tranquille. On va pouvoir faire attention quand même à sa reine à gauche, là. Ce qui peut potentiellement activer la capa. Pff, non, il le fait pas. Bon, lui, il est débordé, le frérot roulant. Le mec en face est débordé, hein. Ah, normalement ça devrait quand même exploser sur l'Arc-X, non? Ah ça explose pas sur l'Arc-X? Ah ouais? Attendez, je veux quand même flèche parce que j'ai pas envie de perdre ma tour maintenant. Bon normalement quand tu joues contre un Arc-X et que tu prends une tour, normalement l'Arc-X ne peut plus passer. Hein, parce qu'après c'est trop facilement défendable. Même s'il vient te prendre une tour, normalement derrière il peut pas gagner la game. Bon si tu fais pas d'erreur def après forcément. Ouais allez boule de feu quand même tout ça. Ok. Bon, il va prendre la tour je pense hein. Non, il va pas prendre la tour là. Ouais, il la prend pas. Il la prend pas, mais il a une roquette. Donc il la prendra. Il va falloir gérer ça. C'est quoi? On va juste repartir Tombstone tranquille. On va prendre notre temps. Ah, il a une boule de feu. Ok. Bah, vous savez quoi? Je vais partir Golem alors. Je vais partir Golem. On va défendre quand même la reine. Hein. On va pas la laisser prendre la tour. On n'est pas fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il active pas la capa? Mais je vais le goumer. Non, mais je vais le goumer. Il active même pas la capa. Ok, bon, il prend la tour. C'est assez logique. On va essayer d'aller accompagner un petit peu notre push à gauche, là.
problème c'est que là j'aurais kiffé faire cimetière hein, mais je peux pas. Vous savez quoi? Et hop là, et hop c'est parti. Non c'est bon c'est parti. Hop là, double golem en fait. Ah il a l'esprit électrique, bien joué. Oh c'est chiant ça. Ok. J'ai peut-être un peu le forcé du coup. Bah attendez parce qu'en vrai on a l'impression que j'ai mis un clone mais non c'est juste un deuxième golem. Ça va gratter un petit peu mais rien de bien foufou quand même. On va partir archi parce qu'il peut potentiellement partir archi, voilà logique. Et là vous voyez on peut faire ça, voilà là on peut s'amuser. Là on peut s'amuser avec son archi, il n'y a aucun problème. Alors là ça va défendre tranquille. On va pouvoir poser une tombstone ici. Le problème c'est qu'il faut faire attention parce que j'ai rien pour tanker. Vous voyez là c'est un peu le souci du deck. Et c'est ça qui est un petit peu relou avec ce deck là. C'est que bah là je peux pas partir cimetière au mid avec un tank, tu vois ce que je veux dire? Genre je suis obligé de poser golem, de m'installer sur un push et ensuite seulement de mettre un cimetière, c'est long. Et avec cimetière on aime pas trop ça, tu vois, on aime bien mettre de la pression, aller gratter au fur et à mesure, à l'époque un petit peu la tour, sauf que là on peut pas. On n'est pas dans l'optique où on peut le faire et ça c'est un peu relou. Ok, bon après on est un petit peu devant grâce au boule de feu qu'on met, mais voilà on gratte pas. Hein. On gratte pas. Ok, bon, nice. Bon, on va quand même mettre un cimetière là. Car à un moment donné, il va falloir y aller quand même. Faut pas non plus qu'on prenne trop cher sur les tours. Hein. Ah, le problème, c'est que ça défend facile. Hein. Ça défend facile de la part de l'adversaire. Mais en vrai, attendez, parce que là, il a plus sa Tesla. Ah! Donc okay, normalement ça devrait aller, on peut cimetière là-dessus. On a réussi à temporiser l'arène. On va flèche ici. On va boule de feu là-bas. Oh là là, le petit pré-shot de la Tesla, ça c'est parfait. On fait attention quand même à sa reine des archers qui peut remettre au mid. Voilà, on pré-shot au calme. Normalement du coup elle va mourir assez facilement. Let's go. Ça meurt, on va reflèche ici. On peut aller recycler une boule de feu si on veut. Et du coup la première game qui va être prise. Mais on aura mis du temps. Pourtant généralement cimetière, voilà, c'est des cartes vraiment... Tu vas gratter de temps en temps, le golem c'est quand même un temps que ça va mettre des dégâts, mais là non ça met du temps. Parce qu'encore une fois on peut pas vraiment installer notre push, surtout là en fait le problème c'est que si on part golem fond de map et que l'adversaire part Arkix, même si le momide comme ça, il veut à l'époque la tour, il peut parce que bah, on a des troupes très faibles, donc il suffit qu'il rajoute une boule de feu ou ce genre de choses, et vu que toi tu viens de poser un golem, bah t'as pas foulé l'élixir, donc faut faire attention avec ça, et ça aurait pu nous coûter, ça peut nous coûter la game hein, clairement. Parce que derrière le mec, bah, le temps qu'on mette notre golem cimetière, surtout que si on part fond de map, en fait, si on part fond de map à droite, du coup le golem va arriver ici, et du coup la tour du roi ne va pas focus le golem, ça va focus le cimetière, donc c'est pas une bonne option non plus. Et sur ça, vraiment que le combo est dur à mettre en place, et pas aussi simple que ça. Mais ça va, on a quand même gagné la game, donc c'est cool. Ça fait plaisir. On est parti dans la game suivante contre un petit géant. Ok. Oh bah alors là mon ref, ça me fait plaisir, merci pour la value. Oula, ça c'est forcément rough quand même. J'espère juste qu'il a pas un zap. Ok, non, ça va, let's go. On va défendre. C'est bien parce qu'en vrai, il y a pas mal de petites troupes quand même. Donc c'est cool parce que ça bait un peu les sorts, genre des flèches, des zaps. Ça bait un peu tout ça. Ça fait plaisir, mais ça je pense pas que ce soit vraiment suffisant. Ok, malheureusement, j'ai pas boule de feu à temps. J'aurais pu garder mes archers en vie et mettre un petit peu des dégâts sur le tour, mais c'est pas rien de problématique en soi. On va pas partir golem maintenant. Là, on a une main, tu vois, qui est correcte parce que du coup, on peut s'installer avec un bâtiment défensif. On a de quoi défendre avec le sens électrique également. Donc, on va aller chercher la pompe. Par contre, toujours aller chercher une pompe hein, si vous avez le moyen de le faire. Parce que si vous laissez votre adversaire s'installer avec des pompes, autant vous dire que vous êtes dans la sauce. Voilà, on va aller chercher. Nickel, ça là-dessus. C'est ce qu'on voulait. Du coup, on va pouvoir poser un petit sens électrique ici pour temporiser. Ça va défendre le prince Nébro assez facilement. Et en vrai, là, du coup, on peut reposer petite tombstone. Petite tombstone ici. Donc, qui part géant. Ok, parfait. Bon, là, on va partir golem de l'autre côté. Côté opposé. Alors, ça peut être dangereux parce que, du coup, il va peut-être push de l'autre côté. C'est pas improbable. Mais, du coup, en fait, si jamais il vient prendre le tour, bah, nous, on aura déjà le push à gauche. Donc, pas de problème. Et il faut qu'à un moment, on push. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, on a quand même des troupes qui sont relativement fragiles en défense. Donc, si on commence à laisser l'adversaire s'installer, ça peut être un petit peu dangereux. Donc là on défend, on va mettre des flèches ici, comme ça on garde les bâtons vie, ça va continuer à défendre tranquille. Et là vous avez vu, il est en train d'ignorer, il veut mettre son push, sauf qu'on défend correctement, on fait de la value en défense. Et du coup bah derrière bah il y a un golem cimetière qui est sur sa tour et le frérot il s'y attend pas. Et bah il y a plus de tour tout simplement.
Et là, du coup, on peut aller sniper directement son prince Nébron. On peut rajouter un golem au mid si on veut, étant donné qu'il vient de partir Zapifon de map. On peut continuer de forcer avec des bats de l'autre côté. On est vraiment trop bien dans la game là. Là, on est Gucci. Hein. Là, on est clairement Gucci. Ouais, on va flèche maintenant, comme ça on tue la horde. Je suis pas sûr qu'on prenne la tour parce qu'il y a un mini PK enragé quand même qui est en train de défendre. Ouais, je pense pas qu'on prenne. Ouais, on prendra sûrement pas la tour. Mais on a mis de la pression. Et voilà, si jamais il vient. Ah, ok, attendez. Faut que je défende quand même un petit peu là. Petit cimetière en défense, prend pas la tête. Ok, y'a même pas besoin d'aller mettre un sorcier électrique directement. On peut boule de feu et ensuite sorcier électrique, comme ça on tue le tout. Oh, attendez, les flèches finissent ou pas? Ok. Bah, c'est un deux tours sans prendre un seul dégât. C'est imperfect dans cette game. On n'a pas pris un seul dégât avec ce petit deck. En vrai, on a bien défendu. Bon, il est parti à droite un peu YOLO. Il est parti à droite un peu en mode YOLO. Et ça c'est un deck qui est joué aussi par certaines personnes. Ce deck là, c'est un deck qui est joué. Alors, je sais plus comment il s'appelle le mec en top ladder, mais il me semble qu'il y a un mec dans le top ladder qui joue ce deck là. Je pourrais plus vous citer le nom, mais j'ai vu aussi quelqu'un faire 12 victoires avec en SD. Donc, c'est que le deck est joué un petit peu. Bon, un deck un petit peu troll, un petit peu chelou. Mais là, on s'en est bien sorti. Allez, du coup, on est parti dans une nouvelle game. Est-ce qu'il joue vraiment de penser cet adversaire? Non, parce que s'il joue vraiment de penser, j'ai envie de poser Golem first play. Non, mais voilà, au bout d'un moment. D'accord, yes. Bon, après, il a plus l'esprit de feu. Normalement, il a pas de petits sorts. Donc, on va pouvoir défendre un peu les cochons royaux. Bon, on prend quelques dégâts, mais. Quelques dégâts. Tu prends quand même 1000 dégâts là-dessus, mais c'est abusé. Hein. Enfin, bref, on va pas rager sur cette carte. Ok. Il est obligé de 6 mon défense. Ouais. Voilà, forcément. Le problème, c'est que le canon va défendre le golem relativement bien. Il utilise la capa de l'arène pour pas prendre si cher que ça avec le cimetière. C'est plutôt bien défendu, ça va gratter un petit peu, mais rien de bien foufou. Après, ça va, parce qu'on a la boule de feu pour défendre. Ok, nickel, ça a pris la grosse des archers. Voilà, nickel, ok, ça va. Défense qui est bonne, on a la boule de feu, qu'on va mettre maintenant, du coup. Normalement, on se fait quand même gratter, hein, quelques petits coups. Ouais, il n'y a pas de défense parfaite, hein. Quelques petits coups, on prend quand même, vous voyez, je mets boule de feu en défense. Bon, certes, j'ai une value de 1, mais il met quand même 200 dégâts. Enfin, c'est quand même... Voilà, tu vois, petit à petit, en fait, et c'est ça qui est fort avec ce deck en face, c'est vraiment, bah, même s'il y a des réponses dans le deck en face pour défendre, bah, c'est que ça gratte toujours, ça poke un petit peu. Et si toi, en défense, t'es bon, bah, tu gagnes la game, quoi, tout simplement. Ouais, forcément, il va prendre la tour avec la reine, je pense. On va essayer de forcer de l'autre côté. On a les bats derrière. Bon, la reine qui va pas prendre la tour, c'est parfait. Est-ce que du coup le golem peut exploser sur la tour ici? Ouais, les bats qui font un bon taf ici, ça c'est bien. Ça c'est bien, par contre, on va prendre la tour. Et ça surprend finalement. Ça surprend parce que je vous assure que c'est le deck le plus méta à l'heure actuelle en face. Et on est en train de le détruire. Enfin, la game est loin d'être terminée, mais pour l'instant ça se passe bien. Et encore une fois, ce qui va être compliqué, bah là c'est. On sent que ça va finir en 1-1. Tu vois, je pense que ça va finir en. Pour gagner, il va falloir prendre 2 tours. Sauf que le problème, bah, c'est que moi ça me met pas forcément très très bien. En plus, j'ai raté mon golem là. Je voulais garder mon sens électrique en vie. Ouais, mais c'était pas ouf. Hein. C'était malheureusement vraiment pas ouf. Ouais, du coup, il va tuer le golem ici. Aïe. Ouais, mon timing golem était vraiment pas bon là, par contre. Ouais, my bad. C'était vraiment pas ouf. Bon, après, il perd sa reine quand même, donc ça me va. Ok, sa bûche qui sert pas à grand chose. Ouais, il décide de forcer avec les sorts, assez logique. Vous savez quoi, on va partir golem au fond de map, on va essayer de s'installer, hein. C'est un peu la seule option pour win, mais ouais. Ouais, ça va être compliqué. Ok, il faut que je boule de feu ici. Ok, ça devrait aller, rajoute le 6, ça sert pas à grand chose, on va flèche ici. On a les bats comme ça qui sont pris. Ok, c'est pas mal, est-ce que je peux poser cimetière là-dessus? Ok, j'essaie de poser le cimetière, il faut que je défende de l'autre côté. Allez, la boule de feu, s'il vous plaît. La boule de feu, vite. Ok. Ok, ça poque, c'est pas mal. Le golem explose sur la tour, s'il te plaît, les bats qui vont gratter, la tour qui va tomber, let's go. Ok, on prend la game quand même contre le deck. Pour moi, je suis désolé, c'est le deck le plus concert à l'heure actuelle de la méta. Non, je vais dire les termes. Dès que je suis en stream et que je tombe contre ce deck, j'ai envie de casser ma tête tellement le deck est fort. Mais en vrai, on s'en sort bien. On arrive à s'en sortir ici. On a mis quand même le push golem, mais il a tenté de mettre la pression de l'autre côté. En vrai, c'était bien joué de sa part, parce que je pense qu'il y avait un bon petit timing là à faire. Mais le souci, c'est qu'il a un petit peu trop forcé.
Et derrière, moi, j'ai ignoré un petit peu en attendant d'avoir juste ma boule de feu. Si vraiment il continue son forcing, quand je mets la boule de feu, genre si par exemple il push au mid sans trop défendre à droite, étant donné qu'il y avait le golem cimetière plus sorcier électrique, s'il décide d'ignorer, je pense qu'il va plus vite que moi. Par exemple, s'il met une reine des archers au mid, je pense clairement que je peux perdre la game là-dessus. Mais il l'a pas fait, donc tant mieux pour nous, on récupère la victoire. Ça fait plaisir et on se retrouve tout de suite du coup dans la game suivante. Bah allez, du coup on est parti les potes dans la game suivante contre Adrian du clan Shinobis. Ok, ok. Et pour l'instant c'était un full win, hein. Pour l'instant c'était un full win avec le deck. Donc ouais, il y a de quoi faire quand même, ça fait plaisir. Michou a créé un deck quand même qui est fort, hein. C'est pas non plus bon. C'est pas simple à jouer, ça fonctionnera pas tout le temps, mais c'est jouable. C'est jouable et ça fait plaisir. Ok. Donc qui est sorti électrique voleux, j'imagine que c'est un petit P.K. Bridge Pam. Alors P.K. Bridge Pam avec ce deck ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Parce qu'il y a encore une fois des troupes relativement fragiles, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là j'ai rien dans la main pour défendre. Il faut que je cycle du coup mes flèches ici. Vous savez quoi, j'ai envie d'assumer les dégâts, hein. Je peux pas trop me permettre là de... Ouais. Ok, bon là si tu veux. On aura la boule de feu pour défendre. Je suis obligé, j'ai pas mon sorcier électrique ni la tombstone. Un peu malheureusement. Ok. Donc c'est... Ouais, sûrement PK Kava alors. Pas de MK. Je pense pas que ce soit MK avec la version qu'il a. Ah si, non, normalement il n'y a pas d'archi magique. Normalement il n'y a pas d'archi magique. Donc ça devrait être un PK jusqu'à l'enlevé bélier de combat et qu'il a mis le Kava, j'imagine. En vrai ça m'arrange, hein, parce que le Kava est plus simple à défendre qu'un bélier de combat avec ce deck. Ok, on va repartir ici. Pour l'instant on prend notre temps. Dans tous les cas on sait qu'il joue PK, donc c'est assez compliqué de partir golem un peu YOLO. Ok, nice, on a réussi à garder les squelettes en vie, comme ça on défend la voleuse. Le problème c'est que j'ai encore une fois plus ma tombstone ni... Ouais, c'est un peu relou ça. Hein. Alors, normalement c'est... Hop, on speed archi au mid et normalement ça défend parfaitement le fantôme royal, si j'ai pas de bêtises. Du coup peut-être pas avec le Kava qui a été rajouté. Ok, si ça va, est-ce qu'on peut rajouter les battes rapidement pour essayer de pas prendre de coups? Ok, on prend un coup quand même. Ouais, ça fait cher. Effectivement, je suis pas dans un cycle parfait là. Je suis pas dans un cycle parfait. Bon, mon golem qui est posé un peu trop bas. Du coup, je vais prendre des dégâts du sorcier électrique. Mais beaucoup de dégâts. Ok, c'est pas grave. Faut qu'on arrive à passer sur un push dans tous les cas. Alors, je sais pas si la boule de feu ou foudre. Oh, mon cimetière qui est dégueulasse. Oh, j'ai envie de tout casser. Mon cimetière est dégueulasse. Ok, c'est du forcing, bien. C'est du forcing dans tous les cas, il faut qu'on prenne la tour maintenant. Oh nice, par contre de notre... Oh là 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 là, mais attendez, mais ce deck, mais attendez. Mais qu'est-ce qu'il a créé Michou en fait? C'est un monstre le deck qu'il a créé. C'est un monstre le deck. Mais what the fuck? Mais gros, j'ai mis un vieux push, j'ai pris la tour. Mais what? Ok, la défense, oh là là, mais la défense. Mais attendez, mais la défense? Oh là là, mais c'est clean, c'est tellement clean. Oi, 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 oi. Et ce petit PK cimetière qui tombe, quoi. PK Bridge Pam, pardon. Qui tombe contre le golem cimetière. Alors, on a un push, hein. Vraiment, on a fait un push. Mon timing golem, je pense, mon placement golem, c'était le pire possible qu'on puisse faire. On a pris les dégâts du sorcier électrique, mais malgré ça, on a tout all-in derrière. Bon, après, la petite erreur de l'adversaire, c'est qu'il est parti PK fond de map. Donc, forcément, il a pas mis le PK directement sur le golem. Donc, forcément, le golem a le temps de faire son petit travail, son petit passage dans. Sur la tour de l'adversaire avec le cimetière du coup qui va kite un peu le PK, donc forcément ça aide beaucoup, mais en vrai c'est cool, nouvelle win, bah vous savez quoi, on enchaîne avec une prochaine game. Allez, on est parti, sûrement dans cette dernière game, j'avais pas vu le temps, mais je pense que ce sera la petite dernière game. En vrai, plaisant à jouer, vraiment plaisant à jouer, parce que 6-0 avec le deck, franchement c'est plutôt clean, hein. C'est plutôt clean, je m'attendais clairement pas, je me suis dit je commence au début du SD histoire de voir si le deck est viable ou ce genre de choses, mais finalement, bon après est-ce que je serais capable de faire 12 avec, j'en sais rien, mais en tout cas ça se passe plutôt bien. Et je crois qu'on tombe sur le deck le plus méta, lol. Ah peut-être pas. Peut-être du cochon du coup, je ne sais pas trop. Ok, intéressant de voir. Tour à bombe, très bien. C'est sûrement un deck cochon Ryu ou alors cochon classique. Tour à bombe qui revient un peu, hein. C'est la deuxième tour à bombe que je croise en SD là. Vous savez qu'on va partir cimetière quand même. Alors il a l'esprit de feu, donc on va essayer de pré-shot l'esprit. Let's go! Est-ce qu'on n'est pas trop chaud en fait? Eh ouais, il a plus rien pour les battre mon ref. Eh ouais, on n'est pas naïf, hein. On sait qu'il va mettre l'esprit de feu, c'est sa seule solution pour défendre les battes.
Étant donné que la reine est en train de focus le golem, donc on pré-shot là-dessus, on vient chercher l'esprit de feu, on tue la reine et on met énorme. Ouais, non, mais par contre, on a un niveau de jeu là, c'est incroyable. Hein. On est un niveau de jeu, c'est incroyable. Parfait, parfait. Bah, on met déjà sa tour à moins de 1000 HP. Ça fait plaisir. Ça part cochon ici, est-ce qu'il met son séisme ou pas? Oui, logique. Du coup, on va rajouter sorcier électrique. On va prendre deux coups, je pense. Plus il y a des dégâts du séisme. Ouais, ouais, deux coups quand même, c'est cher payé, mais tant pis. Par contre, on est obligé de repartir golem. Là, tu vois, on peut pas juste partir avec un cimetière. On est obligé de remettre un push, de refaire un gros push. Après, il vient de jouer sa win condition, donc on peut se le permettre. Ok, ouais, mais ça, c'est un peu le problème du coup, c'est qu'il met la pression de ce côté. Il a complètement raison. Et j'ai pas grand chose pour DFE. Ouais, ouais, non, c'est bien joué. C'est bien joué de sa part, c'est ce qu'il fallait faire. Et du coup, bah là, je peux prendre la tour, mais j'ai pris très cher de l'autre côté, quoi. Donc on va quand même forcer ici avec les bats, il va sûrement mettre son esprit de feu. Voilà, bon, on lui force l'esprit de feu ici, pas sur le cimetière. Et vu que le golem est... Enfin, vu que le golem tank le cimetière, normalement on devrait aller chercher la tour. Voilà, parfait. Après on n'a pas perdu encore. Hein. On n'a pas perdu, mais ça va pas être simple. Ok. Est-ce qu'il va partir? Ouais, il part de l'autre côté. Ok, très bien, on va mettre les archers ici. Sorcier électrique. Ah, il faut qu'il rajoute une bûche. Hein. Ouais, il faut qu'il rajoute une bûche. Donc on va essayer de continuer à mettre la pression. On va mettre les flèches ici, normalement. Voilà, on devrait tuer. Est-ce que je peux partir cimetière là-dessus? On va tenter de partir avec le cimetière. Belle game en tout cas qui est en train de se passer devant vos yeux. On va forcer avec les archers au mid parce qu'il n'a pas grand chose pour les défendre. Mais ouais, il a pas grand chose, il va mettre une bûche. Mais on est en train de gratter beaucoup de dégâts quand même sur sa tour, petit à petit. On a les golemides qui sont en train de tanker cet archer. Et ouais, 559 HP restants. On vient pré-shot la reine au mid avec la tombstone, ça fait plaisir. On est dans leur tête, hein. On les connaît ces joueurs maintenant. On est habitué, on va essayer de repartir le golem directement en pression. On va remettre le cimetière dès qu'on peut. Faut qu'on arrive à forcer avec des flèches, faut qu'on arrive à forcer avec des flèches, faut qu'on gratte au maximum là. Faut qu'on gratte au maximum, on arrive un petit peu à gratter, mais il n'y a pas de squelette qui connecte, mais la tour du roi aussi qui a pris très cher hein, de la part de l'adversaire. Bon attention parce que la game est loin d'être terminée quand même. Hein. Attention quand même. C'est loin d'être fini. Donc on va essayer de repartir golem. Je me prépare à une éventuelle reine des arches humides. Bon là c'était sûr. C'était sûr, on s'y attendait, je l'avais call. Non mais j'ai un niveau de jeu par contre, j'arrive à tout pré-shot. Genre normalement ça arrive jamais ça, tu vois. Oh là là, ça va passer, mais ça va passer, mais c'est incroyable. Non, j'ai été trop bon. Non, je suis désolé. Mais j'ai été trop bon. Non, j'ai été trop bon. Cette game, c'est une masterclass de notre part. Genre on a juste fait exactement ce qu'il fallait quand il le fallait. Genre on savait très bien qu'il allait mettre esprit de feu au début, on pré-shot. On sait très bien qu'il va mettre la reine au mid, on pré-shot avec la boule de feu. Non, c'est un exemple. Hein. Cette game est un exemple, hein. Clairement. On a été masterclass. J'avoue que là, j'ai bien... Je suis fier de moi. Non, je veux pas vous mentir que je suis plutôt fier de moi. Ouais, il a seulement kill ton ladder, par contre, le frérot. Bonne chance à lui. Mais finalement, on vient chercher la victoire ici et on se retrouvera en 7-0. Alors, je finirai sûrement le SD ce soir en stream. Peut-être avant de faire le tournoi mondial ou pour m'échauffer, on verra bien. On verra bien, mais en vrai, 7-0, c'est plutôt propre, vraiment, le deck de Michou qui se débrouille plutôt bien, hein, finalement. Le deck de Michou qui se débrouille plutôt bien. Bon, forcément, quand c'est jeu par mois, c'est un peu plus... Bon, on va pas faire prétentieux, mais... Non, voilà, du coup, les potes, si vous avez kiffé la vidéo, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, hein, ça fait plaisir. Si jamais t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre hashtag Michou dans les commentaires, c'est cool. Sur ce, les potes, c'était moi, je vous fais des bisous, puis tout le monde.